Michombero a à court terme atteint ces deux objectifs à la fois. 1. Écarter les monarchistes et l'ex-roi Nare V. 2. Éliminer systématiquement des intellectuels et des personnes aisées du groupe ethnique Bahutu. Sept faits majeurs se dégagent sur la problématique de Mai Mulele au Burundi actuellement. 1. Le régime Michombero entretenait de très bonnes relations avec les résidus du mouvement Simba, dont les combattants se prénommaient Mai Mulele, dirigé par Gaston Soumialo. Ceux-ci ont embarqué dans leur sale besogne certains Bahutus du littoral du lac Tanganyika pour tuer les Batutsi qualifiés de Bamanuka. Et d'ailleurs, la première femme à être assassinée à Lomongué s'appelait Paskazi, c'était une femme Mhutukazi. Les Mai Mulele dont Michombero parlait n'étaient que des Bahutus à éliminer. Michombero n'a jamais prononcé le mot de Bahutu qui avait attaqué le Burundi. Jamais. Il a parlé de Mai Mulele. L'usage de ces noms animalistes, Mai Mulele, Udukoko, Uturindima, Abamenja, entre directement alors dans la quatrième des 10 étapes dans le continuum de la violence qui mène vers le génocide. L'usage de ces mots qui tuent visait à tromper la vigilance des Barundis, de la communauté internationale et en particulier du groupe visé, les Bahutus. Supprimer la menace Bahutu au moins pour 25 ans, comme l'a dit un prélat catholique qui n'est plus malheureusement et dont la sévère détient le témoignage.